Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic The Gathering et je vais ouvrir cette boîte de 36 boosters de draft de l'édition L'Invasion des Machines, donc une édition qui est sortie le 21 avril 2023 et qui contient 281 cartes différentes dans l'édition normale, 158 cartes légendes du multiverse et 387 cartes extra a priori, où je vous dirai plus dans les vidéos d'analyse et de stats. Donc si vous avez déjà vu mes ouvertures, j'ai ouvert un bundle, ouvert les 30 boosters d'extension et le booster, un booster collector. Et maintenant, les boosters de draft. Alors, le constat après ces premières ouvertures, c'est où sont les cartes extra? Et pareil, dans les légendes du multiverse, j'ai pas encore. Alors, j'ai pas analysé du tout les ouvertures. Dans le détail, je dirais plus que ce que je vous ai déjà présenté. Voilà. Ça va être intéressant de découvrir qu'est-ce qu'il y a dans ces boosters de draft. Alors, c'est parti. Hop. Alors, les boosters de draft. Ok. Bon, ça c'est la carte de base. Normalement, il y a 3 piles de 18. De 3 piles de 12, pardon. Oh là là, n'importe quoi. 12. Aussi. J'ai vu que c'était à la même hauteur. Donc, 12. On allait bien 36. 36 boosters. Donc les amis, c'est parti pour cette ouverture. Et puis bien sûr, comme d'habitude, je vous ferai une vidéo derrière d'analyse et de statistiques de cette ouverture où je vous dirai bien sûr le nombre de cartes obtenues différentes dans l'édition extra et surtout les cotations et les valeurs de ces cartes. Donc ça, c'est quand même important parce que justement, ça vous permet d'avoir une idée. Alors, je sais plus combien ces boîtes coûtent. C'est autour de 120 euros, il me semble, une boîte de 36 boosters de draft. Donc les amis, comme ça... Je vous dirai exactement, c'est vrai que si vous achetez un booster ou quelques boosters aléatoires, vous pouvez ne pas avoir de chance sur un ensemble. Les produits magiques sont plutôt bien étudiés, donc il y a quand même des chances d'avoir des cartes intéressantes. Et là, on va voir, alors c'est simple, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans ces boosters. Alors, Gardien de Céleste Attentive, en commune en version normale, Traqueur de Présage, Assimiler l'essence, Tranche Tendon, Bonnet Rouge, Intervention magique. On rentre vraiment dans les formats classiques hein, d'ouverture de booster avec beaucoup de communes élues après des communes et puis une carte intéressante, Instant de vérité. Et les foils, c'est une tous les 4 cartes. Donc il n'y aura pas de hard card et pas de cartes non plus de liste. Hein. Meurtrisseur Crasscroc, Javelinier Onak, Corruption de Tovashi, Butineuse de Halo. Ah, une carte rare extra. J'ai eu que deux. Alors, c'est à la place d'une peu commune. Bon, c'est assez bizarre. Barra les Ari et Kari Zef. Alors, on va voir s'il y a beaucoup plus de cartes extra dans ces boosters-là. Ordre du Miroir. Qu'est-ce que c'est? Invasion à Damon Cage. Je vais pas faire les recto verso. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah, il y a aussi du Légende du Missiverse à égard la flamme gelante. Un terrain classique. Et un jeton saprobionte, donc le terrain, je vais le mettre dans, avec les communes, et le jeton, je vais le mettre ici, Phyrexian et saprobionte. Bon, là, pour les jetons, ça va être pas mal, mais je constate quand même, les amis, ça commence avec une carte rare extra et une carte légende du multiverse. Il y a aussi des cartes légende du multiverse dans ces boosters de draft. Alors, je ne vais pas m'attarder forcément sur les cartes, je vais aller assez vite pour les ouvertures, parce que, comme ça, ça, on prendra plus de fun. Rancune volcanique, Albacore. Surtout que la plupart des cartes, je vous ai déjà présenté, enfin, deux visu uniquement, dans les dernières ouvertures. Parce que tout ce qui est commune et peu commune, il y a des chances que vous les ayez déjà vues toutes. Oh, Zimon et Dina. Bon, c'est pas. C'est une première mythique. J'ai pas été très gâté pour l'édition. Si ce n'est que j'avais commencé fort avec le bundle avec deux premiers boosters, deux mythiques de l'édition, mais pas côté, pas très côté. Enfin, voilà. Allez, hop, troupeau bridé, hop. Invasion de Kilem. Ah oui, il y a quand même des cartes, un autre terrain et Incubateur et Phyrexian. Ok. Ok, les cartes sont pas dans le même ordre que d'habitude. On termine par un terrain... et aussi ensuite une carte, un jeton. Ouais, je pourrais les passer devant pour garder un peu de suspense. Chambre orgueilleux. Briffo de Ferayaki, mais comme je vais aller assez vite. Historien de guerre, aéronaute de l'écaille dorée. J'espère. Je vous dirai combien j'ai eu de cartes communes et peu communes différentes aussi dans cette ouverture, hein, cauchemar collectif. Parce que c'est important, si vous êtes collectionneur, savoir si vous achetez une boîte,
Ce que vous aurez en pourcentage. C'est à peu près les mêmes pourcentages qui revient. Invasion de Carsus. Une rare aussi. Je vais la mettre là. Yorion, Nomade Céleste. Ah, pleine en version texte. Et je crois que je ne l'avais pas eu celle-là dans les autres ouvertures. Bon, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Toujours pas eu de commune. Je sais pas si. Hop. Je sais pas si cette commune. Hop, dans les ouvertures. Tout ça, je vous dirai de toute façon dans la version. Dans les vidéos d'analyse de stats. Que vous trouverez au fur après ces ouvertures. Parce que forcément, les cotations étant pas encore bien marquées, j'ai fait au mieux. Analyse furtive. Mineur du hangar, écourté. Hop. Miro d'un vengé. Fracasser la source. Senseur. Phyrexian. Maréchal de Zalfir. Kogla et. Ok. Une autre peu commune. Ah ouais, c'est tout comme ça. Une autre peu commune. Invasion de Kaladesh. Bon. Daxos. Alors, celle-là, j'ai eu plusieurs fois. Une première commune foil. Garde des profondeurs de Carsus. Bon. Un chute de bois d'épines. Et une carte publicité. Bon. Ok. Pas d'intérêt. Oh, ça démarre mollement. Ça démarre mollement. Après, je me méfie toujours avec les boules de 36 boosters de draft. Je suis un peu déçu pour cette édition du tirage que j'ai pu avoir dans les mythiques de l'édition. C'est vrai qu'en tant que collectionneur, c'est toujours intéressant d'en avoir un maximum de différentes. Sinon, il va falloir échanger beaucoup derrière pour pouvoir compléter. Et surtout, ça va être celles qui ont le plus de valeur. Urne de feu divin. Ombre de Sani. Refus artistique. Scald intrépide. Galta et Mavren. Ordre du miroir. Invasion de la nouvelle Capena. Ralph Vaillant de l'Aquilon, ah, oui, il y en a 158, on les a toutes, hein, plein de fois. Et la substitut carte, il n'y en a qu'un, on n'a qu'une. Dans les autres boîtes, j'en ai eu, dans les 30 boosters d'extension, j'en avais. Ouais, bon. Allez, on continue, Cryptomancien Saïba. Hop, Chevalier de la Nouvelle Coalition, Escorte du Bois Sauvage, Archiviste Phyrexian. Là, c'est vraiment mélangé. Dans les dernières ouvertures, je sais plus, j'avais constaté qu'il y avait des boosters qui étaient plus orientés à certaines couleurs. Bon. La rare seigneur de Couvée Entasseur. Peu commune. Invasion de Mog en peu commune. Oh, ok. Une commune foil conversion dérangeante. Ah, montagne. Ouh, celle-là, je l'avais pas eu en textless. Et chevalier en jeton. Bon. Il n'y a pas plus d'extra, hein, les amis. Alors, je ne sais pas combien il y en a des extras, il va falloir que je farfouille, mais je vais analyser tout ça et vous dire exactement le nombre de cartes qu'il y a. Je pense qu'elles vont prendre de la valeur, les extras, parce que c'est plus compliqué de les avoir. J'ai un Oculus, un formateur Nezumi. Là, au moins, là, je suis sûr d'avoir toutes les communes. Là, Oracle de Tragédie. Ah, il y en a trois ce coup-ci. Des fois, il n'y en a que deux. Oh, Polukranos Renaissant. Bah ouais, une rare extra. C'est une autre de l'édition. Hop. Après invasion de Xerex. Oh, je l'avais pas. Il me semble qu'il ne tient rien du tout celle-là. Arithmetis, l'île Assoupie. Ouais. Alors il y en a 158, hein. Des légendes du multivers, c'est vrai que. Alors, pleine et oh, élémentale. Je l'avais pas eu. Alors, pleine, je pense que je l'avais déjà celle-là. En tout cas, je suis pas sûr, mais en tout cas, bon. Et élémental en jeton, ça je l'avais pas. Donc ça c'est plutôt pas mal. En version textless, il y a il y a 10 terrains différents en fait. J'imagine, j'espère tous les avoir au travers de toutes ces ouvertures. Chaud devant, reine de Halo, fourmi, familier gravé, fureur du soleil incandescent. Ah, c'est marrant parce qu'il y a encore des cartes qui disent deux mal en pis en rare. Invasion de Lorwyn. Alors celle-là, j'ai eu plein de fois. Marigot Lugubre. Et. Oh, Vren et le Brise-Royaume. Celle-là, la 23. Où souvent elles sont plus cotées. Alors je me demande si celle-là, c'est pas un jeton qui peut être coté à plusieurs euros. Oh bah ça c'est pas mal ça. Vren et le Brise-Royaume. Ça c'est pas mal du tout. Il y a quand même 5 cartes à plus de 10 euros dans l'édition. Je n'en ai eu qu'une pour l'instant. C'était Vren. Dans la boîte de 30 boosters d'extension.
Une chaise debout, voile volante. Ok. Ah, l'assaut de la drupe. Alors, vol. Artisan harcelé. Oh, invasion de Ravnica en mythique. C'est la numéro 1 d'ailleurs. Ah, je sais pas si elle est cotée. Ah, je suis pas sûr qu'elle soit super cotée. Bon. Alors, une nouvelle mythique que je n'avais pas. Donc, c'est toujours intéressant. Mais les commandes de l'autre côté. Paragon du pacte des guildes. Ok. Et puis, ah bah celle-là, je l'ai déjà eue. Celle-là aussi. Elle est en foil. Ah, Timaret élu parmi les morts. C'est la version foil. Et une carte publicitaire. Ouais, bah là, forcément, vu qu'il n'y a pas de carte de liste, il y aura plus de cartes publicitaires. Donc ça, c'est dommage. C'est un peu dommage. Allez, Frontalier Vicieux. Ok, bête de conversion, assimilation. Là, la pile des communes, elle va monter, vraiment. Vu qu'il y en a toujours pas mal par booster. Ah, gardienne de Girapur. Ok. Invasion de Mercadam. Moi, j'ai déjà eu. Hein. Oh, Kelric, le roi apparu, réapparu, en mythique. Là, je vais peut-être la mettre sous pochette plastique parce que. Alors, c'est une mythique légende du multivers, mais encore une fois, comme j'ai pas encore regardé les cotations, je ne peux pas vous dire vraiment, mais ça, je vous dirai dans la vidéo d'analyse des deux stats. Bon, un terrain classique et une substitut de carte, la numéro 1, mais celle-là, par contre, je vais la mettre, cette mythique-là, dans une pochette plastique. Je sais pas. Je sais pas si elle est intéressante ou pas. Je me demande si je l'ai pas déjà eu aussi dans la boîte de 30 boosters d'extension. Bon, ça va être la surprise. Ça va être la surprise. Bon, ah voilà, j'ai même pas ouvert encore un tiers de la boîte de 36 boosters de draft, et ça serait que ça se présente mieux d'un point de vue carte différente, d'un point de vue mythique. Par contre, point de vue extra, c'est toujours aussi compliqué. Hein. J'ai du mal à croire qu'il y ait plus de 300 cartes en extra. Je vais me renseigner vraiment dans le détail. Après, il doit y avoir peut-être les terrains textless dans les cartes extra, je sais pas. J'ai pas vu de commune, en tout cas. Éveil Phyrexian. Érudit Fairy, ok. Invasion d'Ulgrota. Ça me dit rien en plus celle-là. Firja Arbitre de Valeur. Dépression de Jungle. Et Incubateur Firection que j'ai eu plein de fois le jeton recto verso. Allez, le dernier booster. Non, c'est le 12e booster. C'est pour le premier tiers de cette boîte. Allez, Frondeur de Bolas. Cavru Mâcheur. Escadron Tête Nonaire. Sanfeo Miran. Ok. Parasite surdéveloppé. Brise Royaume, l'arbre d'invasion. Je l'avais pas eu celle-là, je crois. Alors ça, c'est pas mal. Invasion de Vryn, ok. Non, celle-là, déjà vu. Plaine et Phyrexian Hydre. Ah bah non, c'est un autre, le 12. Bon, premier tiers. Déjà 2-4 rares extra, c'est pas mal. J'ai eu une mythique en légende. Du multivers et 2 rares en légende du multivers, c'est pas mal aussi. Et 2 mythiques de l'édition, bon, ça c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai que comparé au booster d'extension, je m'attendais à plus de cartes extra et moins de cartes légende du multivers, mais il y en a à peu près, il y en a moins que dans les boosters d'extension, mais il y en a quand même. Il y a toujours beaucoup de communes et peu communes. Ça, c'est des classiques des boosters de draft. Très peu de foils. Pour l'instant, j'ai eu que 2 communes foil. Mais j'ai pas été très gâté d'un point de vue foil dans mes ouvertures pour cette édition. Je dois avouer que j'ai eu beaucoup mieux dans d'autres extensions. Hein. Alors là, ah bah la rare, c'est Invasion de Kobakan. Ok. Heal en version textless. Ok. Et Trésor. Oh, je l'avais pas eu celui-là. Trésor. Par contre, en jeton, c'est bien. J'ai un doute là, mais je commence à me plus compléter, c'est plutôt pas mal. Ouais, en version folle, les versions folles, j'ai pas été gâté du tout dans mes ouvertures. J'ai hâte d'aller voir les cotations, mais un jour qui va venir, je vais vous enchaîner les cotations de vidéos de cotations et de stats. Ça va être intéressant. Et puis bien sûr, à la fin, après je vais enchaîner sur les decks commandeurs, je vais voir si je peux faire des vidéos de cartes. Voilà, bon. Et puis à la fin, je vous ferai une vidéo bilan, bien sûr, de toutes ces ouvertures, hein, quand même. Hein. Ah, Obosh, le perce-proie, une nouvelle rare en version légende du multiverse. Une commune foil, bon, ça c'est pas terrible. Et un terrain textless forêt. Et hop, une carte publicitaire. Bon.
Alors c'est vrai que sur les 158 cartes de Légende du Multivers, j'espère qu'au final de toutes mes ouvertures, j'en aurai quand même pas mal. Même si c'est pas ce que je collectionne le plus. Celle-là, elle me dit rien des Vers de l'Effrand. Bon, ok, c'est peut-être possible. Hein. C'est arrivé dans d'autres éditions que j'avais pas de commune, il manquait une commune sur toutes les ouvertures. Archiprêtresse des ombres. Hop. Ok, en rare. Invasion de Muraganda. Ouf! Oula. Voilà, finale, ok. Le jeton, oh, ça j'ai déjà eu. Si vous avez le bundle, Crypt Tranquille, vous les avez, et substitut carte. Vous avez toutes les cartes, les terrains en version foil dans le bundle. Donc voilà, ces terrains-là, c'est pas intéressant. Ça me fait déjà 4 foils. 4 communes foils. Ah là, c'est vraiment la pire édition d'un point de vue foil que j'ai pu découvrir. C'est incroyable. Là, j'ai vraiment pas été gâté. Bon. C'est comme ça arrive, hein. Il y a des hauts et des bas, et certaines éditions, ça marche bien, d'autres non. Faudra voir dans les cotations, ça veut rien dire. Après, les foils n'ont plus les mêmes cotations surélevées comparées à avant. Oh, je l'avais pas celle-là. Parce qu'elles se trouvent beaucoup plus vite, plus facilement, puisque vous en avez dans les boosters collecteurs, vous en avez aussi dans les boosters d'extension, donc et puis vous en avez plus de probabilité d'en avoir. Mécanoptère 19, ah, je ne sais pas si je l'avais. Donc forcément, les cotations des foils sont pas... Avant, c'était surdimensionné, c'était double des prix des versions normales, mais là, c'est plus forcément le cas. Détermination de Vren. Hop, Terre Vengeresse. Je m'occlus. Ouais, je les passe assez vite hein, parce que de toute façon, on les a quasiment toutes vues. Jiru et Azoret. Je sais pas si je l'avais ou pas. Alors, celle-là, oui, je l'ai eu plein de fois. Anafenza, esprit de l'arbre parent. Oula, j'ai failli la lâcher. C'est la numéro 1. Oui, en version légende du multiverse. Oh, Rona, héros de l'invasion en rare foil. Bon, ouais. Si elle est cotée à 25 centimes, la rare sera à 30 centimes. Et incubateur, Phyrexian. Ok. Bon, il y a toujours des légendes du multiverse qui arrivent. C'est dommage, j'aurais aimé avoir une Mythic Foil. Mais bon, en fait, il faut avoir un peu de chance pour avoir une Mythic Foil. J'ai pas eu trop de chance dans ces ouvertures. Déjà, avec les Mythiques normales, j'ai pas eu trop de chance. Mais... Des fois, il m'arrivait d'avoir toutes les mythiques les plus cotées, enfin, des fois moins, ça dépend des éditions. Ah, Ozolith, la tour fracassée. Ah, invasion de l'Orwin, bon, celle-là, plein de fois. Encore aussi celle-là. Bon. Incubateur, Phyrexian, ok. Il me reste combien de boosters, les amis? 3, 6, ah bah j'ai ouvert la moitié. J'ai ouvert 18 boosters sur les 36. Donc c'est plutôt intéressant. Pas sûr d'avoir des super cotations. Ouais, pour l'instant, c'est pas non plus grandiose. Hein. Hop. Déchirer le multivers. Oh, je l'avais peut-être pas eu celle-là. Ça, c'est quand même intéressant. Invasion de Ragata. Hop. Alors, celle-là, je l'ai eu plein de fois. Montagne. Ah, c'est peut-être l'autre montagne que je n'avais pas. Élémental. Ok. Bon. Bon, ben, voilà, ça se confirme. Hein. Les extras sont compliqués à avoir. Je n'en ai que deux pour l'instant. Escorpe du bois sauvage. Les mythiques aussi. Normalement, c'est 3 minimum par boîte en version normale. Je compte pas les autres versions. Mais, dernièrement, j'ouvrais des boîtes, j'en avais 5, 6 quand même, hein, en version normale. Là, c'est très pauvre. C'est vrai que le bundle, j'ai ouvert les deux premiers boosters du bundle, j'ai eu deux mythiques de l'édition. Et en fait, oh, une mythique, invasion d'Innistrad. Ok. C'est une autre mythique de l'édition. Alors, je sais pas si elle est intéressante ou pas. Ok, c'est bon. Avec déluge de mort. Donc c'est une deuxième mythique comme ça. Bon, c'est la troisième de la boîte. Zada, broyeuse des drons. Ok. Substitut carte, ils n'ont pas mis 9 différentes. Bon. J'ai que des numéros 1. Ah, les yeux de Gitaxia.
Monsieur, scission du portail, adaptation arachnoïde. Et Javini Onak. Négation. Voir double. Ah, je l'avais peut-être pas celle-là. Elle me dit rien du tout. Moi aussi, celle-là aussi, elle me dit. Latiel, l'aube de générosité en rare, légende du multivers. Montagne, ah bah, je viens de l'avoir. Et oh, je l'avais pas, celui-là, officier en second rang. Ça, c'est sûr, je l'avais pas. Alors, on enchaîne. La pile des communes commence à augmenter vraiment beaucoup. Poussée aérienne, ancien du terrain boisé, conversion dérangeante. Ok, fracasser la source. Voilà, il y a beaucoup de peu communes. Ah, la rare, c'est invasion de Fiora. Ok. Bon. Une peu commune folle, Expadon, Ramosien. Ouais, hop. Et chevalier en jeton, que j'ai déjà eu. Bon, bah, toujours pas plus d'extra. C'est. Ok, c'est. C'est pauvre, hein. Alors, renfort de râle. Je viens de la voir celle-là en version foil, juste le booster d'avant. Message transcendant. Ok, Lara, ça ne me dit rien du tout. Bon, celle-là, j'ai déjà eu. Ah, oh, une mythique encore, légende du multiverse. Croxa, pardon, titan de la sauve de mort. Ok, j'en avais eu 4 dans la boîte de booster d'extension. Montagne. Et vampire. En jeu... Oh, vampire, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Alors je vais peut-être mettre une pochette plastique, mais je sais pas du tout, c'est une multicolore en plus. Donc je sais pas si ça s'il y a de la valeur ou pas. Bon, j'en suis quand même à 5 mythiques, mais c'est vrai que 3 de l'édition et 2 en légende du multivers. Hop, on continue. On arrive là, je termine le 24e booster, donc les 2 tiers de cette boîte de 36 boosters. Ça s'est bien amélioré un point de vue mythique. Après, je sais pas, dans les gens du multiverse, les cotations, si elles sont intéressantes ou pas. Alors là, celle-là, je l'ai déjà eu, la rare. Oh, celle-là aussi, un peu commune. C'est vraiment, elles sont sympas, ces cartes. Hein. Une commune foil, victoire sur les faibles, haute terre rocailleuse, et une carte publicitaire. Allez, voilà, les 2 tiers. Bon, les 2 tiers, pour l'instant, toujours seulement deux cartes extra. Quelques cartes quand même c'est vrai que j'en ai quasiment presque un peu moins que les boosters d'extension pour les cartes légendes du multiverse. Il n'y a pas une si grosse différence que ça. Alors, c'est que dans les boosters d'extension il y a presque une et demie de moyenne il me semble. Là je suis quasiment à une je pense, hein, parce que j'en ai quand même pas mal. Plus d'une même. Mais je pense qu'il y en a au moins une par booster hein, en fait. Donc, ouais. Oh, et ben encore une extra. Turlupin et Torban. En rare extra. Voilà, 3e. Bon, quand même. Lame. Invasion de Kilem. Ok, bon. Yargle, encore. Alors, elle a remplacé cette rare extra. Elle a remplacé la rare normale. Et Trésor, le 21. Ok. Elle a remplacé la rare normale, là. Il n'y a pas eu grand-chose d'autre. Et c'est peut-être pour ça que c'est difficile. Il y a trop de cartes multivers. Et puis en plus des cartes extra, donc c'est difficile d'avoir beaucoup de cartes de l'édition en version rare et multicolore, rare et mythique, pardon. Hop. Sommeil maléfique. Ah, il y aura Veuve du Royaume, je crois que je l'avais déjà eu. Invasion de Xerex, ok. Oh, bah, Daxos, oui, c'est sûr. Homme comme une foil, encore. J'ai été très peu gâté d'un point de vue foil. Parce que là j'ai eu qu'une rare foil, mais elle n'est pas très cotée. Je pense pas qu'elle soit très cotée, malheureusement. En tout cas, il n'y a pas de mythique bleu à plus de 10 €, donc j'imagine que les rares, les combinaisons avec d'autres cartes, ça suit les cours aussi, mais là, c'est pas le cas. Délinquant et Giada, ah, j'avais peut-être pas eu celle-là encore. Invasion d'Amonkhet. Ah, Orobi
Gémisseur de la mort, je ne dis rien. Et Marais, celui-là je l'ai déjà eu, c'est sûr. Et Soldat, le numéro 2, ah, je ne suis pas sûr que je l'avais celui-là, de jetons. Ah, c'est pas mal. Allez, encore quelques boosters pour prendre du plaisir. Après, ce sera les analyses. Et après, les decks commandeurs. Il y en a 5, il y a aussi de quoi faire. Et en plus, il y a des boosters à l'intérieur des decks commandeurs. Donc ça peut être pas mal de récupérer encore des cartes éventuellement. Voilà. Voilà. Une rare invasion d'Alara. Je ne sais pas si je l'avais celle-là. Riav, maître forgeur. Ah bah, Eyara, première de Loqwayne. C'est une rare légende du multiverse en version foil. Bon, la légende du multivers, ça complète, mais esprit en jeton. Ah, je ne l'ai pas celui-là, je ne l'ai pas, il ne dit rien. Ok. Il va falloir voir si les légendes du multivers, ça prend d'un point de vue cotation. Ça serait plutôt pas mal. Mais c'est vrai que si c'est aussi facile d'en avoir, je ne suis pas sûr que ça prenne aussi bien. Bien circonspect, champion orgueilleux. Ok. Bagarre botanique, Voileshine vorace, Draenei Lunevala. Bon, je les ai déjà eu. Invasion de Zendikar, je sais même pas si celle-là ne me dit rien. Comme quoi, Kaira le tuteur, une autre rare en légende du multiverse. Ok, forêt, oh, il me dit rien celle-là. Et Teferi que j'ai déjà eu en 22. Ok, il me reste quelques boosters, il me reste 3, 7 boosters. Ah, 7 boosters. Vous voyez, j'ai pas eu d'autres mythiques de l'édition. Les mythiques de l'édition, dans ces 3, toutes ces ouvertures, j'en ai eu très peu. J'en ai eu 7, je crois, 8 seulement. Je crois des différentes, mais il me manque les 4 plus grosses cotations, quasiment les cartes les plus cotées. Alors, s'il y en a 20, eh ben, pour compléter la collection, ça va être compliqué. Message transcendant, bon. Invasion d'Argol, d'Asgol, ça me dit rien celle-là. Celle-ci, par contre, forêt et substitut card, bon. 3 extras, par contre, c'est vrai qu'en 4 ouvertures, je crois que des extras, j'ai eu que 5 cartes pour l'instant. Alors, écourté. D'espoir, on a changé l'équation au Urko et au Jutaï en mythique. Alors, par contre, c'est vrai qu'elles sont pas très cotées, mais au moins ce sont des mythiques différentes. Là, par contre, dans mes ouvertures, j'ai pas eu trop de doubles sur le point de vue des mythiques. Bon, c'est la quatrième de l'édition en version normale, par contre, pas très très cotée. Bon, ça, c'est comme ça. Ok, ça, j'ai eu plein de fois. Pleine et publicitaire, bon, ouais, il me reste 5 boosters. Par contre, je sais pas d'un point de vue cotation si c'est bien ou pas bien. Hein. Là, difficile de me faire une idée. Il me semble pas, ça va dépendre de ces fameuses cartes légendes du multivers. Parce que je crois pas avoir des super cartes. J'ai pas vu de rares super super cotés, mais il y a peut-être quand même des rares à quelques euros. Alors, si j'en ai plusieurs, c'est ça qu'il va falloir voir. Et puis, il va peut-être qu'il y en a qui vont prendre de la valeur. Hein. Ça sera plus dans les semaines et les mois à venir. Parce qu'au départ, c'est vrai que c'est figé sur un prix de base. Alors, invasion d'Ixalan. Je l'avais pas cette rare-là. Oh, Zirda, éveilleur de l'aube. D'accord. Une autre encore. Et Esprit, le 14. Je sais plus. Je sais plus si je l'avais ou pas. Refus artistique, ok. Non. Que je les mette pas en l'air. Cité en feu. Ça me dit rien aussi, c'est rare. C'est impossible, hein, que je l'avais pas. Hein. Invasion de Dominaria. Ça, par contre, c'est déjà revenu. Ah, anomalie captive en peu commune en version foil. En plus, elle a deux versions conjurateurs parachevées.
Et incubateur, Phyrexian. Ouf, ça fait long. Ça arrive. C'est le jeton qui est arrivé le plus, je crois, depuis toutes mes ouvertures. Le fameux jeton recto-verso. Ah, il y a trois boosters, les amis, encore. Par contre, d'un point de vue cotation, j'ai pas eu une mythique super, quoi. Il y a quand même des. Je suis étonné. Normalement, dans toutes les ouvertures, il y a au moins une mythique intéressante. Un équilibre entre les cartes. Là, je suis un peu étonné, vraiment. Je crois que j'ai pas tapé très haut sur toutes les belles cartes à avoir dans cette édition. Ouais, bon. Ok. Même pour les foils, ça a été assez catastrophique. Et là, celle-là, je l'ai eu plein de fois. Bon, un booster encore. Il fait chou blanc. Ouais, pas grand-chose. Il me reste deux boosters, c'est pour ça. Vous voyez, si vous avez un booster comme ça, vous pouvez très bien vous retrouver avec 1 € de valeur de carte dans un booster, hein, les amis. Hein. Voire moins. Hein. Donc, par contre, une boîte de boosters comme ça, 36 boosters, il y a plus de chances de tomber au moins sur des cartes. C'est assez équilibré, généralement. C'est vrai, pour cette édition-là, je suis très mal tombé. Alors voilà, comme ça, vous verrez, en tombant très mal, dans le pire des cas, ce que vous avez. Après, il faut voir dans le temps les évolutions. Ah, une autre mythique! Mais pareil, c'est une mythique multicore, il n'y en a aucune à plus de 10 euros. Côté à plus de 10 euros, donc Borbo, Rigmos et machin. Ok, bon, c'est la cinquième. Alors par contre, oui, point de vue complètement, pour compléter la collection, c'était intéressant. Invasion d'Eldraine. Renata. Oh, une autre rare foil. Seigneur de Couvée Entasseur. Bon. J'ai eu deux rares foils dans cette boîte. Ok. Et incubateur Phyrexian. Bon, ok. Et dernier booster, les amis, de cette ouverture. Après, je peux espérer encore dans les decks commandeurs, il y a le fameux booster où je peux avoir une carte, une ou deux cartes intéressantes à l'intérieur. Je peux espérer encore récupérer des choses intéressantes. Allez, dernier booster. Après, je vous fais un petit bilan rapide et puis après je vous donne rendez-vous dès demain pour les vidéos d'analyse et de stats de toutes ces ouvertures inquisiteurs de Norn. Gardien des cuves elf. Alors hop, éveil Phyrexian. Une autre mythique en version extra. Alors là, Vorinclex. C'est une mythique extra. Bon, c'est la première carte mythique extra. Qu'est-ce que j'ai? Hop, une peu commune. Je vais la mettre sous pochette placée. Invasion de Pyrulé. Mais il ne me dit rien en plus. Un truc de fou. Ça se trouve, je ne l'avais pas eu. Giganta, la source, en rare. Légende du multiverse. Une commune foil. Dommage, navire de l'effroi en maraude. Un terrain, Texas Marais. Et incubateur et Phyrexian. Bien sûr, on termine par celui le plus connu. Je vais quand même la mettre devant un classe en pochette plastique. Ouais, donc alors j'ai eu beaucoup de mythiques, mais il n'y a pas eu de mythique côté quoi. Le petit bilan, bon, c'est une ouverture. J'ai eu une seule carte, deux cartes, pardon, foil dans Légende du Multiverse. J'ai eu une rare et une peu commune foil, ça c'est à noter. En autre foil, j'ai eu deux rares de l'édition foil, deux peu communes et puis quelques communes, 4-5. Voilà, bon, foil, il y en a toutes les 4 boosters à peu près. Dans Légende du Multiverse. Combien j'ai eu de peu communes? Je pense qu'il y en a au moins une par booster. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 peu communes sur les 158 cartes. Hein. En rare, combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 36, 38. Ça fait une avec deux mythiques, voilà. Et les extras, toujours aussi compliqués à obtenir. J'en ai eu 4. Dont une mythique et trois rares, les amis. Ce qui fait, avec l'édition, par contre, dans l'édition, j'ai eu quand même 5 mythiques à voir dans la vidéo d'analyse de stats. Je vais vous dire tout, les amis. Oh, c'est vrai que ce n'est pas des mythiques qui sont super recherchés. Bon, ça me fait 5, 6, 7, 8 mythiques. 8 mythiques au total. Maintenant, je vais tout vous dire dans les vidéos d'analyse de stats. Je pense que demain, vous aurez pardon, la vidéo d'analyse de l'ouverture du bundle, et puis ainsi de suite, dans l'ordre des vidéos d'ouverture, tout simplement. Et après, j'enchaînerai avec les decks commandeurs, avec les vidéos, les ouvertures commandeurs, les ouvertures, les analyses. À chaque fois, je ferai une analyse derrière, parce que je pense que les cotations seront déjà établies. Et puis, à la fin, une vidéo bilan de toutes ces ouvertures, combien j'ai eu de cartes différentes. Ça, je vais tout vous dire dans les vidéos d'analyse, combien j'ai de cartes différentes, la cotation, la valeur et la rentabilité des boîtes ouvertes. Donc voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.